Avant-hier, nous étions encore plongés dans l'effroi des tueries de Charlie Hebdo. Nous n'étions même pas entrés dans le deuil quand une autre attaque était perpétrée contre une épicerie cachère de Vincennes, faisant 4 nouvelles victimes abattues en pleine ville avec des armes de guerre. Aujourd'hui, c'est une cérémonie interreligieuse qui réunit l'ensemble des cultes que vous pouvez voir, qui peuvent être des cultes concordataires en Alsace, comme les cultes qui ne sont pas dans le concordat. Nous avons nos amis bouddhistes notamment, et puis les musulmans qui sont là. Et les cultes ont souhaité porter une parole commune et faire la démonstration de la fraternité qui existe entre les hommes, au-delà des événements tragiques que l'on a vus. La salle est comble, il y a 15 000 personnes qui manifestent à Strasbourg aujourd'hui, là, maintenant. Et en même temps, certaines personnes veulent témoigner de leur foi pour montrer que la foi, elle est universelle et que l'humanité, c'est quelque chose qui transcende les religions. Je crois que malheureusement, nous avons déjà connu un événement extrêmement violent, un acte terroriste en 1995, avec l'attentat du métro à Saint-Michel. On n'oublie jamais, mais on avait l'impression que ça ne reviendrait jamais en France. Donc mon sentiment, c'est quand même le même, c'est exactement le même que celui de tous les Français. C'est d'être bouleversé, c'est d'être dans l'émotion, c'est d'exprimer l'humanité qui est en nous, parce que des hommes et des femmes sont morts, parce qu'ils... Porter l'expression d'une forme de liberté, la liberté d'expression, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Moi, je n'étais pas fan de Charlie Hebdo, mais j'étais très heureuse qu'il considère les musulmans, les femmes, les chrétiens comme les autres et qu'il avait le droit de s'attaquer à eux par cette forme d'humour, de cynisme un peu piquant. Et donc, ils sont morts parce qu'ils exprimaient et qu'ils portaient, qu'ils incarnaient une forme de liberté. Et puis, hier, sont également morts des citoyens parce qu'ils étaient juifs. Ce n'est pas une guerre de civilisation, ce sont des actes terroristes organisés. Pour moi, c'est du terrorisme, c'est du banditisme d'une partie d'hommes totalement frustrés qui veulent reprendre le pouvoir comme ça a pu l'être à des temps moyenâgeux, au temps de l'obscurantisme, et qui essayent de semer la terreur à travers le monde pour réinstaller des califats. On en est là, c'est de la géopolitique, ce sont des intérêts financiers qu'il y a derrière et on ne peut que mieux régner que lorsque l'on divise. Voilà ce qui est en train de se passer. La France est un pays d'apaisement. Chacun a toujours trouvé sa place, quelle que soit sa croyance. En France, on a le droit de ne pas être croyant, et c'est une chance. En France, on a le droit d'être juif, et c'est une chance. En France, on a le droit d'être musulman, et c'est une chance, et bouddhiste, et c'est une chance. Et la France est un pays de culture chrétienne, et c'est une chance. Ce n'est pas une guerre de civilisation, c'est simplement des actes terroristes qui se retournent aujourd'hui contre la France, comme ils l'ont fait malheureusement le 11 septembre contre les États-Unis. Et il est vrai que la France est plus souvent la cible que d'autres pays parce qu'elle est l'étendard à travers le monde de ce que peut être la liberté, de ce que peuvent être les droits de l'homme. On le paye chèrement parce que la France envoie des soldats en Syrie, elle envoie des soldats en Libye, elle avait envoyé des soldats au Rwanda, elle avait envoyé des soldats au Kosovo pour des raisons différentes. Mais la France est toujours intervenue, la France a toujours payé par le sang le prix de la liberté à travers le monde. D'abord, la misère sociale et intellectuelle a toujours été le terreau fertile de l'obscurantisme. C'est vrai. Mais je ne crois pas, pour rencontrer beaucoup de monde, pour avoir des personnes qui souffrent aussi autour de moi, je ne crois pas que les personnes qui ne trouvent pas leur place dans la société se transforment en des assassins. Je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'on puisse justifier et excuser la difficulté, le fait qu'on puisse être victime de racisme. On ne peut pas justifier le fait de devenir un terroriste par cela. Je crois que ça, c'est d'abord extrêmement important. Donc, toutes les personnes qui sont au chômage, toutes les personnes qui sont au RSA, toutes les personnes qui sont en souffrance ne deviennent pas des terroristes. Ça, c'est important. Je crois qu'il faut redire que ces deux frères plus Koulibaly ont choisi la voie de la criminalité et ont choisi d'être des assassins. Non, la laïcité, c'est que chacun puisse vivre son culte. Mais la laïcité, c'est aussi de la part des responsables politiques. Que de faire en sorte de ne pas nier que les religions existent. On ne peut pas, sous couvert de la laïcité, dire qu'on ne s'occupe pas de l'islam en France, parce que l'on sait que les plus dangereux sont dans les caves de nos quartiers, de nos villages. C'est une réalité, ils sont là, et effectivement, que font-ils de notre jeunesse?
parce que tous ces individus que vous citez étaient tous français. Ils étaient tous français comme je le suis. Ça pose quand même une véritable question qui est de dire ces systèmes de dérive où il y a des organisations terroristes qui se développent doivent aussi nous alerter. Et je crois par ailleurs que la laïcité, c'est aussi une manière d'arrêter de faire la confusion entre les personnes issues de l'immigration et la religion musulmane. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis née française. La question de l'immigration se règle ailleurs. Et la question du culte se règle autrement. On ne veut pas continuer à laisser cette religion aller à la dérive, avec des institutions qui ne représentent qu'elles-mêmes, dans laquelle il n'y a aucune femme, dans laquelle il n'y a aucune personne qui est née sur le territoire français. Ça suffit. Ça suffit d'avoir des personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui ne représentent pas et qui ne portent pas une voix pour cette religion-là. Quand vous parlez à la police, quand vous parlez au préfet, ils savent où sont ces hommes dangereux, parce que ce sont tous des hommes en plus. Où est-ce qu'ils sont ? On sait où ils sont, on sait ce qu'ils font. Et donnons à la police le fait et les moyens d'aller les poursuivre, d'aller les poursuivre. Que l'on arrête de faire des contrôles faciès et qu'on permette à la police de faire son travail, c'est-à-dire de mettre hors de... Je ne sais pas, en dehors de la société, que l'on attaque ces personnes, qu'on les condamne et qu'on leur permette plus de nuire comme elles le faisaient jusqu'à présent. C'est ça qu'il faut faire. La laïcité, c'est une manière de laisser la place aux religions, mais ces religions ne doivent pas venir s'imposer à la République. Je suis Lama Tsultrim, le responsable de la communauté tibétaine, bouddhiste tibétaine, dont le siège est à Luce. Mais que nous devons tous nous être ensemble et nous rassembler pour mettre en avant et réexprimer les valeurs qui sont nos valeurs et contre lesquelles nous devons nous battre et réexprimer avec force et vigueur. Je crois que sur le plan, en tout cas, je ne peux répondre que sur le plan bouddhiste, nous devons tous travailler sur notre esprit, dans notre façon de réagir par rapport à ce que nous appelons, nous, les facteurs perturbateurs. Nous avons tous de la haine, nous avons tous de la colère, nous avons tous aussi de l'amour et de la bienveillance. Et ce sont ces qualités que nous devons exprimer, mettre en avant et être attentif et vigilant à ne pas laisser exprimer ce qui peut diviser et être source d'intolérance et de violence. L'horreur des attentats nous a tous choqués. Nous les dénonçons unanimement. En raison de notre foi, allons à la source divine de l'amour et de la vérité. Les citoyens ont le droit d'avoir peur. Ils ont le droit d'avoir peur. Moi, j'ai des amis qui me disent « Là, je prends le métro à Paris, j'ai peur. » Je les comprends. On ne peut pas faire semblant. Je les comprends. Et en même temps, on ne peut pas renoncer. On ne peut pas renoncer. Donc, effectivement, il faut mener des initiatives, il faut faire des choses. Le dialogue interreligieux, il est possible. Pour moi, il y a deux conditions. D'abord, que ce soit une démarche sincère. Alors, qui rentre dans le dialogue interreligieux ? Des institutions qui représentent qu'elles-mêmes ? Non. Dans laquelle il y a que des hommes ? Non. Que des hommes qui sont nés ailleurs ? Non. Première chose. Deuxièmement, c'est pour faire quoi ? Donc nous, en Alsace, on a le droit local, voilà, on a une chance un peu exceptionnelle d'être un peu un laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'on se préserve de tout. Ça ne veut pas dire qu'on est le modèle à suivre. Ça veut juste dire qu'on essaye de faire quelque chose là où on est. Donc effectivement, il y a deux initiatives qui, pour moi, sont importantes. Le comité interreligieux, où on a toutes les composantes des cultes, d'une part, qu'ils soient concordataires ou pas. Donc il y a les catholiques, les protestants, on a les orthodoxes qui sont avec nous, on a les anglicans qui sont avec nous, donc la composante chrétienne, également les juifs, nous avons les bouddhistes, donc les deux grandes voies du bouddhisme, et puis effectivement nous avons les musulmans. Et on a souhaité ajouter au culte les associations interreligieuses. Les gens se parlent, ils se parlent, ils font des choses ensemble. On est en train d'organiser les quatrièmes assises du dialogue interreligieux. C'est difficile de les organiser avec ce qui vient de se passer. Pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut dire pour être juste. Donc, les responsables des cultes ont l'habitude de se parler. Moi, ce que je crois, c'est que les politiques doivent leur faciliter les choses et on n'est pas là pour faire à leur place. C'est très important parce qu'il ne faut pas politiser les tentatives de rapprochement interreligieux parce qu'il faut que les rabbins, que les imams, que les pasteurs et que les archevêques puissent donner l'exemple du fait qu'ils se parlent. Et je pense en même temps
qu'il faut avoir le courage parfois de dénoncer. Il faut avoir le courage de dénoncer. Moi, je ne suis pas d'accord pour que des personnes viennent porter atteinte au bien vivre ensemble. Je ne suis pas d'accord pour que les frères Kouachi viennent porter atteinte à la liberté, à la sérénité de mes parents parce qu'ils se prétendent de la même confession. Il faut du courage. Je pense que symboliquement, c'est le 11 septembre de la France. Lorsque l'on a voulu attaquer le World Trade Center, ça a été une manière de dire pour la première fois, les États-Unis subissent sur leur territoire et dans leur chair une attaque. Les États-Unis n'ont pas connu de théâtre de guerre Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ça ne concernait pas les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas connu, depuis la Constitution des États-Unis, une guerre sur son territoire. Pas. Ça a été la première fois et ça a été la volonté de dire nous attaquons la première puissance mondiale et son symbole que vous voyez sur toutes les cartes postales, les deux tours jumelles. La France a été attaquée dans son symbole, sa liberté d'expression de la manière la plus fondamentale. Encore une fois, moi j'aimais pas tout ce que faisait Charlie Hebdo, mais je les remercie d'avoir toujours considéré les musulmans comme les autres, c'est-à-dire qu'on pouvait s'en moquer. Et lorsque l'on a voulu attaquer les juifs, c'est aussi... Lorsque l'on a assassiné les juifs hier, c'est aussi une manière de porter atteinte à la concorde qu'il y a en France, à cette fraternité-là. C'est une volonté symboliquement, on veut détruire ce qui fait le socle républicain de la France, liberté, égalité, fraternité. Et donc c'est malheureusement, symboliquement, notre 11 septembre. Et moi je ne compte pas ça au nombre de morts et je n'arrive pas à imaginer ce qu'ont pu vivre les Américains en termes d'émotion au 11 septembre. Je sais aujourd'hui que je réalise, on a été bouleversés par le 11 septembre, tous à travers le monde. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte de la charge émotionnelle que cela peut être, que d'imaginer. Mais c'était déjà le cas lorsqu'il y a eu Toulouse, que l'on peut tenir une petite fille par les cheveux avant de l'abattre, que l'on peut abattre un policier à terre, que l'on peut rentrer dans une rédaction, que l'on peut assassiner les gens, qu'on rentre dans un supermarché, vous avez une mamie qui fait ses courses et qu'on l'assassine. Parce que vous considérez que vous êtes la seule voie possible en humanité. Moi, ça me dépasse tellement.